Alors Bernard Bougnol, nous allons commencer cette interview par une bonne nouvelle, le retour progressif à l'équilibre financier de la CCI du Cantal. Absolument. Comme vous le savez, nous avons eu, on appelle ça une dépression en termes aéronautiques. Nous avons eu deux très mauvaises années, consécutives d'ailleurs à une augmentation tout à fait imprévue au départ du soutien à la ligne aérienne. Diminution du nombre de passagers, diminution de la recette, bref, tous les partenaires ont dû mettre la main à la poche. Et comme nous, nos poches ne sont pas sans fond, eh bien nous avons connu pendant donc ces deux années-là un déficit très fort. Cette année, diminution de ce déficit, il a été divisé par 10, nous faisons mieux que prévu et nous voyons l'équilibre pointé pour 2006. Les difficultés traversées, cela n'a pas empêché la Chambre bien sûr de mener de nombreuses actions, notamment en tissant des partenariats forts. Partenariat avec le Conseil général, partenariat avec les services de l'État pour mettre en place de nombreux dispositifs. Voilà, alors on avait annoncé au début de l'année un certain nombre de renforcements de nos actions traditionnelles, essentiellement deux. La première, c'est la transmission, reprise, création, transmission, reprise. Mais transmission, le volet transmission est extrêmement important parce que nous avons détecté 254 entreprises dont les chefs d'entreprise vont avoir l'âge bientôt de la retraite et il ne faut pas attendre le dernier moment, et ces entreprises ont plus de 10 salariés, ce qui amènerait un véritable sinistre si nous ne faisions rien et si nous n'hésitions pas à se préparer à transmettre leurs entreprises. Il faut agir, mais pour agir, il faut une préparation, et une préparation extrêmement sérieuse. Nous y travaillons depuis des mois. Nous avons donc signé cette convention avec le Conseil général, ce dont nous nous félicitons et que nous remercions le Conseil général et son président, bien évidemment, parce que cela va nous aider et va nous permettre de dégager des moyens nouveaux pour conduire cette action. Autre dispositif mis en place durant cette année 2006, des actions à l'international avec cette volonté de permettre aux entreprises cantaliennes de s'ouvrir vers l'extérieur. Nous considérons que un des chemins du développement des entreprises passe aussi par l'international. Alors pour l'export, nous avons conduit quelques actions, vous le savez, la première en direction de la Chine avec une présence permanente à Canton, et ensuite de ça l'opération connue aussi en Croatie. De cette opération, je retiendrai trois choses essentielles. La première, c'est d'abord, nous avons eu un accueil tout à fait intéressant. Mais surtout, nous sentons qu'il est en train de déboucher pour certaines entreprises sur des affaires concrètes, ce qui est bien évidemment le but de l'opération. Ceci dit, les entreprises devront maintenant suivre et probablement retourner en Croatie, nous-mêmes peut-être. Enfin, pour conclure, Bernard Bougnol, un dernier mot. Quel serait, pour ce deuxième semestre 2006, votre message aux chefs d'entreprise cantaliens? Alors, le message qu'on peut faire passer, à une époque où les affaires ne vont pas si mal, même si nous avons quelques inquiétudes, je l'ai dit, pour le commerce de centre-ville, avec les travaux, enfin bref, ici ou là des inquiétudes, ou certaines entreprises, mais globalement, les choses ne vont pas si mal. Moi, je dis aux chefs d'entreprise du Cantal, qui sont des gens habitués à résister aux difficultés, et habitués surtout à se développer dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, continuez, allez-y, on est à vos côtés, et on va gagner ensemble. La CCI du Cantal vient d'éditer, en partenariat avec le Conseil général du Cantal et le Crédit Agricole Centre France, le guide des savoir-faire industriels. Un guide qui présente les entreprises cantaliennes qui disposent d'un savoir-faire particulier. Ce guide a une double vocation. Tout d'abord, permettre à ces entreprises de mieux se connaître entre elles, mais également de faire en sorte qu'elles soient mieux connues à l'extérieur du département. Pour en savoir plus sur ce guide, n'hésitez pas à contacter dès à présent la Chambre de commerce et l'industrie du Cantal. Je vous rappelle que vous pouvez également trouver l'intégralité de ce guide sur le site internet de la CCI du Cantal.